Nous sommes à la fin de l'été. Cet été de canicule et de feux de forêt, avouons-le, ça nous a quand même fait peur. Les hommes de science disent que ça reviendra. Et encore plus souvent. Pourquoi ? À cause du réchauffement climatique. La planète tout entière se réchauffe en raison de ces gaz produits par l'activité humaine, gaz appelés à effet de serre. Il nous faut absolument réduire ces émissions de gaz nocifs, gaz carbonique et autres méthane. Car disent les scientifiques que si nous dépassons les 1,5 degrés de réchauffement, la vie va être intenable sur la planète. C'est ce que disent les accords de Paris en 2015, la COP21. Vous aimez vos petits-enfants? Oui. Non? Oui. Eh bien moi, je me demande si c'est vrai que vous aimez vos petits-enfants. Parce que quel monde nous allons leur préparer à nos descendants? Si nous ne changeons pas nos mauvaises habitudes, eux, ils vont vivre avec de réchauffement climatique et ce sera terrible. Peut-on éviter cette catastrophe? Oui. Oui. Mais ça demandera des sacrifices et de laisser beaucoup de mauvaises habitudes que nous avons. Et dans 25 ans, ce sera trop tard. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce prêtre nouveau venu de nous parler comme ça? On lui demande de commander l'évangile. Eh bien, figurez-vous que l'évangile a beaucoup à voir avec ce problème de l'écologie intégrale, comme dit le pape François. Car il nous parle d'un homme qui voyait loin et qui a su prendre des bonnes initiatives en étant Jésus ne loue pas la malhonnêteté et le vol. Non. Mais cet homme est quelque part un modèle pour nous. Car nous devons aussi prendre des mesures pour la survie de nos petits-enfants. Car les fils de ce monde ne sont plus habiles entre eux que les fils de lumière. Voyez comme ils sont habiles, les fils de la ténèbre, intelligents, entreprenants, offensifs pour faire le mal, jusqu'à risquer 30 ans de prison. La drogue vient d'Amérique latine. Moi, j'ai vu des hectares de champs de coca. Elle vient de là-bas, la drogue, mais elle est consommée ici en Europe. Alors, ils sont très astucieux, les narcotrafiquants, pour faire parvenir ce poison aux consommateurs qui sont en Europe. Elle est cachée dans des containers qui voyagent par bateau. Elle est cachée jusque dans l'estomac de pauvres gens à court d'argent qui risquent leur vie. Tandis que les grands malfaiteurs se font élire députés comme Pablo Escobar, qui a été député, élu.
Jésus dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, pour qu'un jour ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Jésus nous parle de l'argent. Quand je célèbre un mariage, j'aime beaucoup dans la liturgie cette invitation aux fiancés, que votre foyer soit accueillant aux pauvres et aux malheureux, qui intercéderont pour vous quand vous frapperez à la porte du paradis. C'est une grande vérité. Alors le pauvre que tu as aidé dira au Seigneur, laisse-le entrer. C'est un pécheur comme les autres, mais il a payé la scolarité de mes enfants quand j'étais au chômage. Donc ce n'est pas Saint-Pierre seulement qui a vécu des paradis, c'est aussi le pauvre que tu as aidé. Bien gérer son argent. Ceux qui n'en ont pas, n'écoutez pas ce que je vais dire, parce qu'il y en a qui n'en ont pas, ils ne resteront pas. Mais Saint Jean Chrysostome disait, quand tu as payé toutes les nécessités de ta famille et qu'il t'en reste, cet argent ne t'appartient pas. Il appartient au pauvre. Que faisons-nous de l'argent qui reste? Beaucoup d'organisations caritatives ne vivent que par les donations, en fait. L'Église aussi avec son denier public. Mais certains gardent tout pour eux. C'est qu'ils n'ont pas compris qu'à leur mort, ils n'emporteront rien. Notre pape François, avec un grain d'humour, nous raconte que sa grand-mère lui disait que le linceul n'a pas de poche. Aucun ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Mais pour revenir à la pointe de cet évangile, qui est de prendre des initiatives, d'être intelligent, d'être entreprenant, comme le sont les fils de la ténèbre, eh bien, je vais citer deux hommes que j'aime beaucoup, qui ont pris des initiatives d'une façon incroyable au risque de leur vie. Le premier, c'est François d'Assise. En son temps, la mode était à la croisade pour éliminer les sarrasins, les musulmans. Et en foule, il partait aux croisades. Et bien lui aussi est parti, mais pas en croisade. Il est parti des mains nues, avec deux compagnons, pour rencontrer le chef des musulmans et lui parler, et lui prêcher l'évangile. Donc il est allé à pied, en Égypte, rencontrer le sultan. Pour le sultan, c'était un croisé comme les autres, donc il risquait sa vie. Mais le sultan n'a rien reçu. Ce fut un dialogue entre deux hommes de foi. Il ne s'est pas converti, le sultan. Ils ont pu dialoguer. Au retour, il est tombé malade, gravement malade, François. Il est devenu presque aveugle. Et c'est à ce moment-là qu'il a prononcé cet extraordinaire cantique des fêtes. Béni soit-tu, par frère, sœur brune, sœur frère grand et sœur père. Un beau poème que vous pouvez trouver sur Internet, le cantique des créatures de Saint François. Quel
courage, quelle audace. L'autre François, c'est le nôtre, de Rome. Il fut invité à cette rencontre devenue traditionnelle de tous les religieux du monde pour parler de la paix. Cette semaine, ils étaient 80 de toutes religions. Au Kazakhstan, François, l'invité, aurait pu dire « Je suis trop vieux, j'ai 85 ans, puis je peux plus marcher. » Et l'homme que j'aurais aimé rencontrer là-bas, il n'ira pas, il ne peut pas y aller. C'est le patriarche de Moscou qui vient. On aurait compris, on l'aurait excusé. Mais non, il y est allé. Cette semaine, en fauteuil roulant. Et au cours de cette réunion extraordinaire, le message qui a dominé la rencontre fut l'intervention de François. Non à la guerre. Il n'y a pas de guerre sainte, seule la paix est sainte. J'ai fini. Ne oubliez mon ami, mais retenez deux versets pour méditer cette semaine. Les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de lumière.